des pirates. Blarc. Comme si on en manquait. Ils cherchent peut-être aussi les statues dans ces îles. Alors attention. Oh, et si vous voyez un poisson tueur géant, inutile de m'appeler. Le Molbut dit que la source de l'eau éternelle ne se révélera que si tu places les quatre statues sur l'autel. Alors, allez chercher! Les pirates ont pris la dernière statue, l'ont placée sur leur navire et s'enfuient avec. Il faut qu'on les arrête. Fonce vers ce canon. Vise les mâts. Je le ferai bien moi-même, mais bon, avec les yeux que j'ai, pas facile de viser. Regarde-moi ça. Ma créature, peu importe, je commence à peine. J'invoque la lutte des requins sanguinaires. Mmh.
Tu as de la chance, si on peut dire. Mais ta chance a tourné. Maintenant, tu dois affronter au Kilman Infini Mani. Impossible, tu as survécu à mes meilleurs sorts à queue. Enfin, je veux dire, tu as survécu à mes médiocres petits sorts de garde et tout. J'ai pas de quoi passionner. Et mon yeti de glace maudit non plus. Bien. Bien sûr que tout va bien. Pourquoi tout n'irait-il pas bien? Eh bien, je pensais que comme les Skylanders avaient trouvé la source de l'eau éternelle... Ha! Tu m'entends, j'ai dit? Ha! Ces idiots croient qu'ils vont gagner, ce ne sera pas le cas. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que les ténèbres se répandent, Lemshanks. Peu importe leurs pitoyables efforts pour reconstruire la machine d'Eon, je gagnerai! Est-ce que tout va bien? Hamlet! Excellent! La source de l'eau éternelle fait de nouveau partie du cœur de lumière. Mais les ténèbres vont croître si nous ne trouvons pas toutes les sources éternelles. Ah, ça, c'était inattendu. J'ai besoin de faire des recherches pour savoir où tu dois aller ensuite. En attendant, va inspecter la plage. On y entend parfois des bruits très bizarres.
Ouah, merci d'avoir brisé la barrière. Oh, Seigneur! Dieu merci, vous n'êtes pas des cyclopes. Et j'espère que non, parce que je viens juste de m'échapper de leur château. Il a l'air un peu myope, non? Oh, j'ai vu des choses épouvantables dans cet endroit. Enfin, je crois. Ils ont un orbe de cristal géant qui concentre l'énergie. Et leurs intentions ne sont pas pures. Maléfiques et jamais de touche. C'est tout. C'est ça. C'est l'œil de cristal qu'il nous faut pour reconstruire le cœur. C'est là que tu dois aller. Retrouve cet orbe et rapporte-le aux ruines. Bien sûr, tu devras combattre des cyclopes. Alors, fais très attention. Oui, et pince-toi le nez. Je peux te conduire jusque-là, pas de problème. Je n'ai pas une très bonne vue, mais comme il n'y a qu'un pont qui mène à leur château, ça devrait être facile, comme... Claquer des doigts. Oui, voilà.